m'a pas reconnu. Mon propre père, il m'a pas reconnu. C'est le choc. Il vient juste de reprendre conscience. Pas d'allure, il se souvient pas de moi. Marie, écoute-moi. Il a été dans le coma pendant longtemps. Décourage-toi pas. Il a besoin de nous. Je veux pas perdre mon père, là. Ça fait trop mal. Je veux pas le perdre une deuxième fois. Hostie de séparatiste. Dion, il va me le payer. Le premier ministre fait des relations publiques, puis Dubé marche là-dedans. Ouais, ben c'est une bonne histoire, puis Gabriella a bien fait sa job. T'as lui en fait deux back-to-back, elle. Puis toi, Eagle, c'est le chum de ton chum. Comment ça se fait que ça nous a filé entre les doigts, cette histoire-là? Ben je sais pas, tu demanderas toi-même. Communiqué officiel. Le ministère étudie le dossier. La nomination de Eagle va être confirmée aujourd'hui. Cette nomination-là, c'est de la récupération. C'est la marque de commerce de Dion, ça. Quand un gars fait des problèmes, on l'amène avec nous. Par contre, ça règle rien. Ça va être mon lead à l'éditorial, ça. Bon. Ton histoire, Stéphanie, là, le petit Eric avec Nicole, là, c'est quoi le follow-up de ça? Il y en a pas, j'ai plus rien à dire. Comment ça? J'aurais aimé ça savoir comment il a trouvé ça, le petit gars, moi. Moi, avoir sauté une femme de 40 ans quand j'en avais 14, je me serais pas lamenté dans les journaux. Bon, ben, je pense que je suis tout seul à avoir le sens de l'humour ici. On lève la séance. Stéphanie, faut qu'on se parle. Tu veux me parler de Touchette? On a sauté le deadline 3 fois la semaine dernière. C'est des milliers de dollars, ça. Sur moi, le journal était super bon. Le contenu, c'est ton domaine. Les finances, c'est le mien. Touchette coûte trop cher à l'entreprise. Puis en plus, il stresse tout le monde. Écoute, je vais y penser. T'as pas besoin d'y penser, Vézina est d'accord avec moi. Pardon? Écoute, tu peux pas tout faire ici. T'as besoin de quelqu'un de très bon, pupitre. Le meilleur. Ouais, le meilleur. Lui, là, on en veut plus au pupitre. Mais lui, comme tu dis, il a cru en nous autres. Qui c'est qui va croire en nous autres quand on va être en faillite? Écoute, Touchette, c'est mon problème, OK? Non, non. C'est notre problème. Écoute, Manon, je t'aime bien, mais reste à ta place, OK? Les ordres ici, c'est moi qui les donne. Oh, moi, tout ce que je veux, c'est que le journal soit rentable le plus vite possible. Pour le reste, je donne pas d'ordre. Je suggère. Ça doit être le ton, d'abord. Le vrai pouvoir est politique. Notre seule chance, c'est de changer les choses de l'intérieur. Le Québec, ça veut rien dire pour les Autochtones. Puis les réserves sont dirigées par des têtes brûlées. C'est les Blancs qui mènent, c'est les Blancs qu'il faut convaincre. C'est la chienne. Je suis pas un héros, for Christ's sake. Si j'avais des chances de réussir dans réserve, je resterais. Dans le fond, tu t'es poigné une job à vie. Hein? Anne, elle va-tu te suivre? M'a annoncé ta nomination. Les annonces classées. Oh, j'ai jamais pris le temps de te dire merci pour ton aide, hein? Tu sais, passer 2 heures par semaine à parler de photos avec les exécutifs Mireille, c'est pas beaucoup, hein? Ah oh, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que de la photo, hein? On déborde tout le temps un peu, c'est sûr. À part ça, j'adore ça leur parler de leurs conditions de vie. Ah, c'est souvent le seul contact valorisant qu'ils ont. Mm. Pour beaucoup de monde, c'est encore des criminels. Mm? Pourtant, ils ont payé leurs fautes.
Bye. Bonne journée. T'as trouvé un trou, toi? Pas encore. Salut. Salut. Allô. Je suis pas capable de trouver un job. Quand j'arrive devant personne, je suis pas capable de me vendre. C'est écrit dans ma face que j'ai déjà fait des hold-up. Faut que t'apprennes à te faire confiance. C'est le seul chemin pour nous autres. On est comme au bord d'une falaise, mais on n'a plus de filet. Faut plonger dans le monde. 7 ans de peine. J'ai peur de la liberté, j'ai peur du monde. Faut que tu fasses comme un négatif en photo. Le noir devient blanc. T'as vraiment le tour de résumer les affaires. J'aimerais ça aller prendre un café avec toi. C'est fait. Eric? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que t'es là? Ça fait 2 heures. T'aurais pu rentrer au journal? Le principal de la police m'a demandé à son bureau. Oui, je lui ai parlé de ton cas. Ouais, pourquoi? Parce que je pense que je t'aime bien. Je devrais pas, je suppose. C'est-tu vrai que t'as la grosse bosse ici? Grosse bosse, c'est un peu exagéré. Disons que j'ai un grand mot à dire. J'ai parlé de toi, mon frère. Puis il était d'accord avec moi pour une fois. Explique-toi. Ben, il faudrait que tu viennes la voir pour comprendre. C'est trop compliqué. Viens asseoir. Comme ça. Viens asseoir. Ben, Stéphanie, non, elle vient pas asseoir. Tu sais où je travaille si ton frère veut me voir? Hey! Nicole, c'est de ta faute. Moi, j'arrachais 20$ par semaine. T'es vraiment un petit morveux. Tasse-toi, j'ai autre chose à faire. Ça me fascinait, toutes les places où ton père allait pour ses reportages. C'est comme s'il m'avait amené avec lui. Comme si j'avais été là. Maintenant, tu vas pouvoir faire tes propres trips. Oh, il est trop tard. Je suis comme un enfant qui a tout à découvrir, sauf que j'ai 37 ans. Tu vas connaître la liberté, apprendre à vivre avec. C'est ce qu'il y a de meilleur au monde. J'aime ça t'écouter parler. Tu m'as pas demandé pourquoi j'avais été en dedans pendant 18 ans. C'est pas important. Je trouve que t'es un bon gars, pis c'est ça qui compte. J'ai tué ma blonde. T'as bien du mérite. Ah, si tu veux. Ben non, t'arrêtes, ben non, tu meurs, hein. Pas grand mérite d'avoir voulu mourir, ce cueil. Ça fait déjà un bout, toi, là? Ouais. Écoute-donc, Vézina, on n'est pas une réunion des roches, que je sache. Je trouve normal que je m'informe de la santé d'un grand professionnel à qui je vais faire la plus belle offre de sa vie. J'ai déjà. Non, parle pas trop vite. Extole l'expression monter ton salaire quand t'es resté. Je leur ai rien demandé. Sont-ils caves? Tu sais, Lionel, quand on était en grève, tu me rentrais un poignard dans le dos. Je t'ai donné ma démission, Vézina, parce que je trouvais que les journalistes avaient raison de faire la grève. De toute façon, moi, je t'aime, Lionel, sais-tu pourquoi? Parce que toi, t'as pas fait de courbette. Ah ouais? C'est vrai que des journalistes, c'est pas comme des employés de shop, même s'ils veulent jouer au prolétaire de temps en temps. J'ai compris ça. Un bon journaliste, c'est précieux, Vézina. Ça se mène avec ça. Avec ça aussi. On a besoin de toi, Lionel. On a besoin du meilleur chef de pépite au pays. Pourquoi tu m'as invité ici, à la plus grande place à commérage dans la ville? Je peux pas perdre, Lionel. Tout le monde nous voit. Même si tu refuses mon offre, Dubé va te courir après. T'es déjà certain de l'avoir, ton augmentation de salaire. Puis le petit 15 000 qu'il va te donner, il pourra pas le mettre ailleurs. Tu l'oses jamais, toi, hein? Hein?
C'est toi que je veux, Lionel. Tiens. Mets ton chiffre. Stéphanie, elle te veut encore plus que moi. Bien installé. Ah, là, tu vois ça? Y'a pas de cas. Tadam! Un petit aligoté. Ton préféré. Merci. C'est gentil. Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant, là? Quoi? Depuis que je suis rentré de voyage, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Je travaille fort, c'est tout. Je pars un mois à Houston. Je rentre, on a fait l'amour une fois en 10 jours. Je suis fatiguée. Il y a beaucoup de boulot, tu sais. D'ailleurs, faut que je retourne au scoop. Ils m'attendent pour fermer le journal. Ben non, elle n'a pas téléphoné. Tu vas? Tu tournes en rond, tu t'emmerdes. Pendant 2 semaines, tu rentres tard. Là, tu sors plus. Puis toi qui as toujours le nez plongé dans un livre, tu lis même plus ton journal. Puis? Ah, l'amour. Il y a une fille qui a appelé pour toi. La maison de transition, Mireille. C'est qui? C'est quoi cette histoire-là? Je donne un coup de main. Encore du bénévolat. Il faut poser sa brique si on veut bâtir le mur un jour. Ah. Excuse. Allô? Compte de dépenses? Ah oui, compte de dépenses. Alain. Ah bon? J'aurais quelque chose de bien intéressant à te montrer. Quoi? J'aimerais mieux que tu le voyes toi-même. Tu la regretteras pas. C'est qui, ça? Éric le polyvalent, je t'en avais parlé. C'est toi, son chum? T'es occupé. Qu'est-ce que t'en penses? De lui ou de l'invitation? L'invitation. Je vois que toi.
Louise. Combien de temps avec ça nous arrive? Hein? Hey, viens, on va passer ta plaie, là. Hey, relax. On va aller jaser, on va aller s'asseoir, OK? C'est pas jaser que je veux, c'est un fixe. OK, relax. Oui, viens. C'est tout le temps comme ça? C'est tranquille, la soirée. On ira dehors tantôt, on va faire les ruelles. C'est quoi tes seringues à l'entrée? On tente de fournir des seringues pour éviter le sida. C'est un refuge. Écoute, dans le quartier, 60 % des jeunes sont sans dos. C'est à chaque jour, c'est la survie. On ramasse des jeunes dans la rue. On leur donne de quoi manger pour on essaye de les convaincre de lâcher à dos. De temps en temps, il y en a un qui donne des signes d'espoir. Puis toi, t'es quoi là-dedans? Je suis un travailleur de rue. Ça me rend malade de voir tant de beaux gars et de belles filles se détruire. J'ai déjà passé par là. Moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, moi? Ça achève. On n'a plus une crise de scène, on s'est fait couper notre dernière subvention. Puis ton salaire? Puis le salaire des jeunes qui t'aident, puis tes dépenses? Mon salaire? Quel salaire? Je fais ça gratis. On est des bénévoles, nous autres, ici. Moi, je gagne ma vie l'été en faisant de la peinture dans le vieux, pas ici. C'est quoi tes subventions? 100 000, 200 000 par année? Pas en tout. 60 000 piastres. Avec ça, on payait le loyer, le chauffage, les couvertes, le linge usagé, les seringues. De temps en temps, on prêtait un peu d'argent à une fille qui voulait se débarrasser de son pimp ou de son pusher. Es-tu clean? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si je fais une série d'articles, des reportages élevés, puis que le journal dénonce puis prend position. Ben, c'est sûr, ça serait au bout. Non. Toi, là. Toi, tu vas-tu nous faire des mains? Écoute, j'ai absolument rien à perdre d'ici. Yeah.
décision. Quoi, Cercueil? Tu te lèves, puis tu changes pas de poste pour écouter les informations. Faut ce qu'il y a de fort un matin. Tu m'embrasses à peine, tu lis pas ton journal. Conclusion. Conclusion, mon Lionel est inquiet, perturbé ou amoureux. Amoureux, ça, c'est vrai. Inquiet, c'est pas vrai. Puis perturbé, ben, certes, ça aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Des problèmes? J'ai soupé avec Paul Vézina hier. C'est tentant? Je sais pas, là, mais... C'est sûr que l'Express, c'est gros, c'est solide, c'est fiable. Le scoop, là, je veux pas trop. C'est des jeunes, c'est nouveau. T'es peut-être mûr pour un autre grand changement. Hey, il y a eu toi et puis l'alcool. Tu veux pas que c'est deux grands changements, ça? Regrettes-tu? Jamais de la vie. Jamais été aussi heureux de ma vie. Non, c'est à la job que ça marche pas comme ça, de vrai. Regarde, là. Tu savais plus où t'avais mis tes alliances. Regarde. Fais un effort. Ça fait quasiment un an qu'on est mariés. Je vois bien. Mais je me souviens pas. Je me souviens de toi. Mais t'avais 17 ans. Sur la galerie de Réal Cahouette. Je sais. Puis ta fille, qu'on a faite? Anne-Marie. Je sens quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. C'est noir dans ma tête, sacrement. C'est vide, puis c'est noir. Tu sens quelque chose, là. C'est pas rien. Tu vas voir. Ça va revenir. La société peut pas se le permettre. C'est des peanuts que ça va coûter à côté de toutes ces jeunes-là laissées dans la rue. La fille d'un milliardaire qui part au combat. Oh, c'est débile le nombre de conneries que tu peux dire dans une journée, toi. Tu veux garder ta petite sécurité quand tu marches dans ta rue? Hey, décroche! Ça va me prendre des photos. Oui, mais j'aimerais mieux travailler avec Manu. Hein? C'est un coin pas mal rough. Bon, ben t'es raciste puis t'es sexiste en plus, Alex était là avant. Je serais juste plus à l'aise. OK, mais ça va tout me prendre. Les seringues, les coquerelles, la prostitution, le crack. Oui, t'inquiète pas. J'ai encore pesé sur le mauvais bouton, là, pis tout est parti. Maudite cochonnerie d'ordinateur. Hé, hey, là, faut que je parle à Touchette, là, ça va vraiment plus. Ça va vraiment plus. Non. Comment est-ce qu'on fait pour grossir, là, Tarvis? L'ordinateur ne fait que obéir à vos commandes. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Je voulais juste vous présenter. J'ai pas le temps. Je suis débordé d'ouvrage. Un autre fois. Bon, laissez faire. Ah, oui. Alex. Ah, je voudrais te présenter un ami, Harold Nicolas. Oui, c'est Harold. C'était Stéphanie Rousseau. Ah, oh, je vais aller te montrer en haut les gros ordinateurs. Ça va? Mm-hmm. Ouais. Et Michel, es-tu toujours aussi speedé que ça, ta blonde? Non, non. Jusqu'à assez tôt. Salut. Allô? Je voudrais présenter un ami, Harold, mon père. Un ami du... Ouais. Quand j'étais en dedans, j'ai trippé pas mal sur tes reportages. T'es pas un peu heureux, toi? En dedans? Combien de temps? 18 ans. Guy Lafleur scorait encore 50 buts par année. 18 ans. C'est un gros contrat dans la vie, ça, hein? Thank you.
Tu vois? Il reste un commis à l'écoute. Un reporter photographe qui roule à travers la ville. C'est vraiment le seul moment de la journée où l'Express dort. Tu voulais me parler? Oui, j'aurais aimé ça t'inviter à déjeuner, mais qu'est-ce qu'on fait ici, là? Moi, j'aimerais bien ça, les travailler avec toutes vous autres, parce que vous faites un cercueil de mon journal. Mais il y a l'Express. C'est moi, l'Express, c'est ma folie, c'est ma passion, c'est mon alcool, ça, moi, ça incite, ça. Enfin, comment tu veux que je laisse ça, hein? Ben là, t'as 10 minutes pour me convaincre. Là, là. Là, devant elle. Des fois, on laisse un être aimé pour une passion encore plus forte, même si ça fait bien mal sur le coup. T'as avec ça que je vais oublier l'Express, moi, là. Lionel, il y a tellement de jeunes qui espèrent l'arrivée d'un Lionel Rivard au journal. Il y a tellement de feu, de passion, de vie. Il y aurait tellement de jobs pour un journaliste comme toi. Oui. Ça me donne quoi, à moi, ça? La jeunesse. Tout est à faire, puis on le fait. Tu pourrais jaser la mise en page comme jamais dans ta vie. Tu pourrais être le père, la mère, le parrain, le conseiller, le mononcle, la matante de tous ces jeunes-là. Tu pourrais être jeune, Lionel. Jeunesse, il y a le plus dangereux et le plus cruel de la jeunesse, hein? Le coup a été sévère, mais c'est une amnésie temporaire. Quand est-ce que ça va revenir? Il faut rien brusquer. Rien brusquer, ça c'est à dire. J'ai une femme, une fille que je connais pas. Mes chums ont lancé un nouveau journal, puis je sais même pas pourquoi je suis pas là. J'ai perdu un an de ma vie, puis je capote. Faut laisser le cerveau rétablir ses connexions. Il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre. Ouais. En attendant, moi, je vais devenir fou. Bon. Je veux 100 000 $, comme ça. Pendant 10 ans, tu lèves le nez sur ce que je t'offre. Et puis là, t'as besoin de 100 000 $. C'est pas pour moi. Ah ben, j'en suis convaincu. Tu serais pas là devant moi. Papa, c'est pour une œuvre de charité. La charité, Stéphanie, ça se fait par le biais des fondations Rousseau, Centraide, les œuvres du cardinal, les téléthons. Roussac est un citoyen corporatif responsable. Et les différentes compagnies de Roussac ont versé l'an dernier plus de 5,5 millions de dollars en Amérique et en Europe juste en œuvres de charité. T'es mieux informé que moi. Papa, c'est le don de charité le plus important que tu pourrais faire dans ta vie. Je ne peux pas créer de précédent. Tu peux pas comprendre. Viens avec moi ce soir, tu vas voir ce que je veux dire. Non, non. Ce soir, je suis pris en début de soirée et je me lève tôt. Ce soir? Viens me retrouver au Ritz à 9 h. Claude, Claude, faut que je te parle, tout de suite. Viens. Je prendrai pas sans détour, là. T'as rencontré Vézina? Ouais, puis j'ai vu Stéphanie aussi. Ah, tu t'en vas? Je sais pas, Claude, là, je sais pas. Je voulais être honnête avec toi, puis je voulais te dire que je pensais à mon affaire. C'est une question d'argent, j'ai une réserve pour les urgences. Ça n'a rien à voir avec l'argent, tu sais. Bien que c'est important, le salaire puis la sécurité, mais il y a d'autres choses dans la vie. Ça fait 20 ans que t'es là.
L'Express, c'est pas juste un peu toi, c'est toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu sois heureux, l'Express? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Écoute, j'aimerais ça sentir que l'Express, c'est ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus fort. Puis là, ben... je sens pas, là. Suivez-moi. Le chauffeur serait peut-être mieux de rester à côté du char, c'est plus safe. Y a pas de danger sur mon bout de site. Ferme, ça a donc pour moi. T'sais, j'ai pas consommé pendant 2 semaines, pis là, t'sais, quand ils m'ont dit que la place fermait, moi, j'ai capoté ma arrête. Comment tu fais pour payer à dos? On sait, c'est un gars. Ça prend 10 minutes. Mario, il se fait 150$ en une heure. Faut travailler une semaine dans un restaurant pour se faire ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir 30 ans? On va être mort. Lui, il est séropositif. Je m'en crisse. De toute façon, il n'y a personne qui veut de moi pareil. Mais juste aller par la gang de la tanière. Il nous écœure pas, pis des fois, on peut manger du steak caché. Allez. Ça va aller? Je suis bien en esti. Il n'y a personne qui leur a expliqué que je ne suis pas obligé de payer leur saloperie. Qu'ils pourraient peut-être se bouger le cul. Qu'ils pourraient peut-être travailler. Que je paye déjà mon lot d'impôts. C'est narve, le vieux. Avec tout l'argent que je donne au gouvernement, il n'y a pas une association, un CLSC, ou je sais pas quelle cochonnerie, pour s'occuper d'eux. La question est même plus là. Il n'y a pas de fourrière pour les humains. La SPCA va pas s'occuper des autres, là. Elsa. Salut. T'es drôle, Lionel. Tu me parles pas de salaire, de conditions, de fonds de pension, de char ou de compte de dépenses. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de voir notre salle de rédaction. Moi, si je me sens pas bien, le reste, ça veut rien dire. Ça doit être ça qui me manque pour être comme vous autres. Ouais. Triper sur une salle de rédaction comme on tripe sur une belle greluche. Ouais. Ouais, c'est vrai que le truc... Allons. Hein? Ouais. On dépassera pas le deadline pour une fois. C'est beau, hein? Les arches, peut-être, là. Moderne. Hein? Ouais. Ouais. Oh, ben non, 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 c'est trop. Puis, aime-tu ça? Bouge pas avec des bleus d'oignon, mon Paul. Hein? Ouais, tout équipé. Des jeunes journalistes dynamiques. Ouais, 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 ça. Ça marche, ça marche. Au cercueil. Des pépites? Chang, c'est encore tout croche. Mais ton vis. Hey, la mise en page électronique. Ça fait 10 ans que je rêve de ça, moi, mou et du chanceux. Salut, mon toufette. Lionel, tu parles d'une visite rare. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est Vézina. Vézina qui me parlait toujours de sa patente ultramoderne. Comment que t'as raison, mon poil? Ça fait des mots et du beau jour. Il y aurait peut-être moyen de faire mieux, mais... C'est ça. Dis donc tout de suite que je suis pas bon. Ah, non, 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 c'est pas... Ça, je voulais dire, excuse-moi, tout fait. J'étais emballé par la technique, là, puis. Non, non, continue, continue, voyons. Voyons.
Ah, comment c'est ça? Puis, ça en pense? Trop propre. Reste à lire ça un petit peu. Pas de problème. Fais attention de salir ta robe, hein? Avoir su, je l'aurais fait laver. Non, non, c'est pas grave, tu me dépannes. Hey, t'es certain, là, que tu veux pas que je te laisse quelque part? Non, 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 les gars vont m'envoyer un pick-up. Oh, t'es fin. Je suis pas à ça, hein? C'est le 4x4, t'en as pas besoin. Ouais. Je te téléphone, là, juste s'il y a quelque chose de grave, OK? Faut-tu que je m'inquiète? Non, non, je pense pas. Mais je suis jeune pour être en ménopause. Ça fait 2 mois que j'ai pas mes règles, mais j'ai pas 50 ans. Ben non, t'as l'air d'un beau petit 35. Mmh. Hey, je peux bien t'aimer. Comme une folle. Coudon, ton gynécologue, c'est une femme. Es-tu fou? C'est un homme, il est beau, puis il est jeune en plus. Pour tout le reste, là, dentiste, optométriste, gastro-entérologue, c'est toutes des femmes, mais pas mon gynéco. Tiens, attends. Ben. Voilà, ouais. C'est beau. Bonne journée. Parfait, bye. OK, bébé. Hey, Chang! Chang! Ah, maintenant, Monsieur Touchette. Monsieur Touchette, j'ai des mauvaises nouvelles à vous montrer. Ben, fais ça vite, je suis débordé d'ouvrage. C'est à propos de ça. Donc, je sais que vous êtes débordé, là, mais vous sautez le deadline un jour sur deux, puis ça peut plus continuer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que le conseil de direction estime que vous avez besoin d'aide. Ben, j'ai déjà Chang. Le conseil de direction, c'est Vézina, je suppose? Ce gros Torvis-là, il a déjà essayé d'avoir ma peau une fois. Ben non, mais ça n'a rien à voir, là. Stéphanie le sait. Stéphanie? Stéphanie est venue me chercher elle-même avec Vézina. C'est pas une hypocrite, elle. Ben, Monsieur Touchette. Monsieur Touchette. C'est-tu vrai, Torvis? Quoi, Monsieur Touchette? Qu'est-ce que t'as à me dire? J'ai essayé de l'expliquer, mais... C'est à moi à le faire, hein? Monsieur Touchette, vous êtes pas congédié, vous êtes même pas mis à la retraite. Le scoop a besoin de vous. Quoi? Asseyez-vous, s'il vous plaît, j'aimerais ça vous parler. Ben, c'est Lionel Rivard qui s'en vient, hein? C'est pour ça qu'il était ici l'autre soir. Vous pouvez pas continuer à faire le pupitre l'après-midi, le soir et diriger une bande de jeunes journalistes comme on a ici, c'est beaucoup trop. T'as pas confiance? T'aimes mieux la grosse tapette à Rivard? Lionel Rivard est un excellent journaliste, un chef de pupitre capable d'être chef de nouvelles en même temps. Il y a de la place pour lui et pour vous dans l'entreprise. Des belles paroles. T'es ben une fille de riche, hein? Comme les autres. Toi, au moins. T'es venu me le dire en pleine face. Il extrapolait mes paroles, c'est pas ça que j'ai dit. Tabarnak, c'est moi, la rédactrice en chef. J'avais à lui parler ce matin, c'est-tu clair? Ben, Calis, la gérance du personnel, c'est ma responsabilité. Fait que dépasse pas les limites, puis ça va continuer à bien aller. Okay? Thank you.
piquant sa feuille. Mais une fois que vous allez maîtriser le système, vous allez faire des miracles, M. Rivard. Des miracles, je laisse ça à Saint-Joseph et à la bonne Sainte-Aude. Mais... Oh, Stéphanie. Oui. Touchette n'est pas là. Non. Il n'a pas pris. Hein? Je savais, cercueil de cercueil. Qu'est-ce que je peux faire, là? J'ai laissé un message sans répondeur. Non, je veux dire, pour la pupitre d'asseoir. Je vais me débrouiller en attendant que tu commences. T'es sûr? Oui. Bonjour, c'est M. Rousseau, votre père. Le chèque de 25 000 $. Monsieur m'a dit de vous faire un message. Il fait dire qu'il le fait pour vous, et c'est la première et la dernière fois de sa vie qu'il s'engage ainsi. Vous lui direz merci? Très bien. Mmh. Pas mal plus beau ici, hein? Ouais. C'est plus moderne. Puis, docteur, c'est rien de trop grand? Oh, non, non. La nature qui suit son cours. C'est quoi, c'est en ménopause? Pas vraiment, non. T'es inquiète? Un fibrome? Voyons, je t'aurais pas dérangé pour un fibrome. Non. Ouais. Voyons, mais ça se peut pas. Je sais bien que c'est fou à mon âge, là, mais qu'est-ce que t'en penses? Mais ma gueule! Ma gueule! Calme, calme! T'es enceinte! T'es enceinte! Elle est enceinte! Hein? Elle est enceinte de moi! Elle est bon stock, ça passe partout! Félicitations! Merci! Allez, fais pas de face avec ça. Mais non, ma belle! Ah ouais. Ah ouais.